Salut tout le monde les gars, c'est Supra et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui les gars je vais tout simplement vous parler de divers sujets. Mais avant tout ça les gars je voulais tout simplement vous parler de mon code créateur les gars. Il s'affiche tout simplement à gauche de votre écran et c'est le faux Supra. Donc je vous invite vraiment à le mettre, ceux qui ne l'ont pas encore mis ou ceux qui ont déjà mis mon code, je vous invite quand même à le vérifier dans la boutique car toutes les deux semaines il se désactive. Et donc voilà, je vous invite quand même à le remettre. Et aujourd'hui les gars je vais tout simplement vous parler de la nouvelle saison 9. Il y a eu pas mal de teases sur cette fin de semaine, enfin du moins ce début de semaine, mais cette fin de saison 8, et il y a pas mal de nouvelles choses qui sont apparues. Voilà, ces derniers jours, il y a eu 3 images avec des nouveaux skins et des lettres dessus, avec des petites descriptions plutôt mystérieuses de la part de Epic Games. Du coup, la première image, elle a apparu il y a 3 jours, c'est un N avec un petit skin un peu robot plutôt stylé. Franchement, celui-là, je pense qu'il va être pas mal. Je pense que ça va être un skin dans les premiers, dans les premiers paliers. Et sur cette image, c'est marqué « Le futur est mystérieux ». Du coup, en parlant tout simplement de la saison 9 où justement mystérieuse, je pense qu'ils veulent dire ça, comme quoi on sait pas trop ce qu'il va y avoir, on va peut-être pas vraiment s'y attendre. Le futur est lumineux, donc là ça c'est la deuxième image qui est apparue tout simplement hier. Du coup c'est un E et on peut apercevoir un skin un peu pilote d'avion de chasse ou pilote d'hélico, je sais pas trop. Et du coup qu'est-ce que le futur est lumineux, qu'est-ce que ça peut donc nous dire, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est un peu une référence au volcan avec les explosions, je ne sais pas trop, avec la boule qu'il y avait eu à l'événement. Est-ce que c'est une référence pour ça, je ne sais pas. Après, le futur est à Tilted, ça c'est tout simplement l'image qui est apparue aujourd'hui avec un petit skin fort sympathique aussi, avec la lettre O. Du coup, les 3 images, si on les regroupe, ça fait Neo. Et du coup, tout simplement, Neo, ça veut dire nouveau en fait, c'est tout ce qui est un peu les nouvelles technologies, tout ça. Donc du coup, ça sera un peu un pass de combat futuriste, on va dire. Il y a également une nouvelle carte qui va certainement arriver par rapport à Tilted Tower, parce que c'est marqué le futur est à Tilted. Du coup, c'est possible, voilà, je vous mets un concept, c'est pas fait par Epic Games, mais un concept, voilà, où on voit vraiment Tilted Tower en mode futuriste. Tilted Tower n'est pas encore changé sur la carte, donc nous savons pas encore pourquoi, si c'est une erreur de leur part ou pas. Ça m'étonnerait quand même, Retail non plus n'a pas été modifié sur la carte, donc peut-être qu'ils vont aussi modifier Retail, donc à voir par la suite qu'est-ce qui va se passer demain. On pourra également offrir le pass de combat, il y aura une nouvelle fonctionnalité pour offrir le pass de combat. Voilà, rien d'exceptionnel, on pouvait déjà le faire entre guillemets, vous achetez une carte 10€, on va dire, voilà, vous pouvez l'offrir. Et il y a également un pack qui a fuité dans le Xbox, tout simplement le Windows Store de Xbox. En fait, on ne sait pas si c'est encore vrai ou pas, c'est peut-être encore un fake, un montage, voilà. Donc je voulais quand même vous le partager, c'est tout simplement le skin K-pop, voilà, qui a tout simplement apparu dans un pack. Donc on peut voir qu'il y a des V-Bucks, mais qu'il y a également de l'XP, un boost d'XP pour sauver le monde. Donc est-ce que c'est un skin qui va apparaître que en sauver le monde? On sait pas trop. Pour ma part, je pense plutôt que c'est un fake et que le skin arrivera plutôt dans le pass de combat de la saison 9. Pour ma part, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire par rapport à toutes ces news, voilà. Donc j'espère que les gars, ça vous aura plu et puis on verra demain qu'est-ce qui va se passer, il y aura un trailer, tout ça. Et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.